Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante. Elle est un peu spéciale mais vraiment très importante. Donc comme vous me l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo pour soutenir les femmes atteintes ou non du cancer du sein. Donc il faut vraiment en parler. Il y a beaucoup de vidéos, pubs à la télé, marques, images sur les réseaux sociaux, etc. À mon tour de vous faire une vidéo pour ces marque-pages. Je vais le faire. On est tous concernés, même ceux qui n'ont pas encore le cancer du sein. On a tous une personne dans la famille ou dans les amis qui l'a eu ou qui est en train de l'avoir. On est tous touchés. Faut se faire dépister, c'est très important. Il faut aussi en parler, ça c'est vraiment, vraiment très important. Vous avez vu la vidéo sur l'Institut Curie que je vous ai mis au début, je vous la remettrai à la fin aussi. L'Institut Curie a lancé le défi des 20 000 marque-pages roses pour octobre 2022. Donc je pense qu'à nous toutes, nous tous, on est capable de le faire, on est tous en force de le faire. Votre amour, mettez tout votre amour, participez à ce défi. Je vais vous lire une petite histoire qu'il y a sur le site. Donc c'est juste pour vous présenter en fait. Alors, participez au défi 20 000 marque-pages pour Curie. Institut Curie 22-06-2022. Alors, à l'occasion d'Octobre Rose 2022, l'Institut Curie lance un nouveau défi créatif et solidaire pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. Excusez-moi, je suis un peu poussive. Alors, créer 20 000 marque-pages pour aider les patientes à tourner la page de la maladie. Comme chaque année, à l'occasion d'Octobre Rose, l'Institut Curie organise un grand défi de mobilisation solidaire et créative en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Pour cette édition 2022, l'Institut Curie invite le public, pardon, à confectionner des marque-pages. Symbole d'espoir pour aider les patientes à tourner la page de la maladie et à ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire. Objectif, créer 20 000 marque-pages qui seront offerts aux patientes de l'Institut Curie tout le long du mois d'octobre. Donc, comment participer? Alors, grand public, associations, donateurs, entreprises, tous sont invités à contribuer au défi solidaire de l'Institut Curie. Pour réaliser un marque-page solidaire, un seul mot d'ordre, laissez parler votre imagination en créant des objets uniques, quelle que soit leur taille, forme, texture, avec la décoration, le message d'espoir de votre choix. Donc vous n'avez pas de taille à réaliser un marque-page, vous en faites ce que comme vous le voulez, du moment que c'est rose. Vous pouvez même en faire en laine. Il y a plein de façons d'en faire. Alors, que vos œuvres soient en carton, en paillettes, en tissu ou en brodé, faites de votre créativité une arme supplémentaire contre le cancer du sein. Donc ensuite, où envoyer les marque-pages? Donc les créations sont à envoyer avant le 25 septembre 2022, et je vous mettrai l'adresse en bas d'information et je vous remettrai la petite vidéo à la fin. À l'Institut Curie, direction de la communication, 70 rue Mouffetard, 75 005 Paris. D'accord? Donc, montrez vos créations. Les participants de ce défi solidaire sont également invités à poster des photos de leurs marque-pages sur les réseaux sociaux. Moi, je les mettrai. Accompagné du hashtag. Là, vous avez le hashtag 20 000 marque-pages pour Curie, ou envoyer leurs photos par email à octobrerose@curie. Donc ensuite, pourquoi 20 000 marque-pages? Car il y a une rechute entre 15 et 30% suivant le type du cancer. Jusqu'à 20 000 femmes par an sont concernées par une récidive de leur cancer du sein chaque année en France. C'est énorme. Nous allons faire cela ensemble. Alors, je vais pousser mon petit matériel. Je vais prendre. Donc, j'ai choisi ce rose-là. Et je vais y mettre des petits oiseaux avec des petites fleurs. Parce que là, c'est des fleurs, mais elles sont très, très claires. Donc, je vais mettre celui-là.
Donc, moi, je vais prendre. Je vais prendre. Je vais faire 7. Ouais, je vais faire 7. Je vais juste en faire un avec vous. Parce que j'en ai encore plein à faire, mais je ne ferai pas en vidéo. Je vais faire 7 sur 18. Je pense que c'est correct. Ouais, non, je vais plutôt faire 6,5, pardon, sur 18. Je pense que ça fait un. Ouais, ça fait la bonne taille, je pense. Donc, 6,5 sur 18. Donc, ça nous fait 6. 6 sur 17,5. Viendrait le coller comme ça. Voilà. Ou comme ça. Moi, je préférerais comme ça. Donc voilà, ça, j'en ai plus besoin. Alors, je vais venir coller ça tout de suite. Est-ce que je fais les bords? Ouais, je vais faire les bords. Hop. Voilà. Donc, je vais me dépêcher un peu. Voilà. Ensuite, je vais venir faire des petits cœurs avec cette perforatrice-là. Donc, à l'effet embossé, en fait. Là, j'ai un bout de chute. Je vais faire avec ce papier-là. Un petit peu dur. Hop, vous voyez? C'est une perforatrice qui les fait embosser. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? Donc, je vais en mettre 3. Hop. Bon, lui, il n'a pas bien coupé. Voilà. Je vais venir les coller tout de suite. Ou à moins que je fais passer une dentelle comme ça à travers. Je vais mettre comme ça. Et je viendrai mettre des petits cœurs comme ça. Tout le mettre à la fin comme ça. En fait, j'aurais dû passer mon fil derrière. Je sais pas s'il est un petit peu trop tard là. Non, c'est bon. Donc, je vais passer ça derrière. Voilà. Et ça, par contre, je vais mettre du double face. Moi, je vais le mettre carrément dessus, hein. Si je me loupe pas, bien sûr, je vais mettre carrément là tout de suite, comme ça. Ça, je vais le recoller derrière. Mettre un coin de colle. Hop. Voilà, comme ça, lui. Venir le coller. Voilà. Et là, je vais mettre mes petits cœurs. Vais mettre un là-haut. Je vais en mettre un au milieu. Ouais, je vais le mettre côté comme ça. Hop. Bon, il cache un petit peu l'oiseau là. Voilà.
Et au-dessus, je vais faire sortir un petit peu comme ça. Comme ça, ouais. Donc, hop. Voilà. Après, je vais faire au-dessus, j'avais dit que je viendrais. Ouais, je vais faire une petite découpe de ce dice-là à la moitié, enfin à un quart, juste pour mettre au-dessus. Mais en fait, il y a le cœur, donc ouais, je vais essayer et je reviens tout de suite. Ouais, donc en fait, sur celui-là, ça va pas parce qu'il y a déjà un cœur en relief. Donc c'est pas grave, je le garde pour mon autre papier que j'avais préparé. Je vais enlever ce fil-là. J'en mettrai un. Lui, je vais le mettre là, comme ça. Donc, avant, je vais enlever le petit là. Donc, comme ça ou comme ça, ouais, plutôt comme ça. Je vais venir coller un quart. Et je vais le mettre à l'intérieur. Non. Ouais, à l'intérieur plutôt, je préfère. Voilà. Ensuite, ma bobine, je vais la. Mon fil, je vais le mettre là. Voilà, je referme mon petit nœud. Voilà. Et là, je voudrais coller un autre petit cœur. Je vais prendre. Hop. Je vais le coller là. Ouais, je vais le coller là. Ensuite, je vais prendre ma crampe d'ail. Je vais prendre un noix. Par contre, là, c'était un petit trou. Je vais le faire plutôt en grand parce que. Alors. Voilà. Ensuite, je vais lui mettre du rose comme ça. Hop. Mon ciseau, il est là. Voilà. Et en fait, là, je vais faire un double nœud que, en fait, je viendrai coller au pistolet à colle chaude. De façon, en fait, que ça s'enlève pas. Et là, en fait, je voulais mettre ce petit papillon que j'avais en bois, que j'ai colorié au feutre Twin Marker, que je vais mettre ici, pareil au pistolet à colle, avec un petit sentiment. Donc je vais brancher mon pistolet à colle et je reviens tout de suite. Voilà, je suis venue coller cette bande là. Bon, elle est pas tout à fait sec parce que je viens tout juste de le faire. Ensuite, je vais coller mon petit papillon là. Hop.
Voilà, j'enlèverai après les fils. Alors, mon petit sentiment, je vais venir l'ancrer en violet. Donc, j'ai pris le 12 purple pétale. Voilà, je vais l'écrire carrosse comme ça. Je vais marquer tourner la page. Alors, si mon stylo veut bien écrire. Voilà. Lui, je vais le coller. Pareil, je vais mettre au pistolet à colle. Comme ça, on est sûr que ça ne s'enlèvera pas quand on tourne la page. Voilà, je vais venir le mettre. Comme ça, hop. Ensuite, je vais venir couper derrière. Alors, un ciseau. Alors, j'en avais un, il est là. Ça, je vais venir couper. Voilà. Après, pour cacher derrière, vous pouvez mettre une petite fleur. Ouais. Je vais mettre une petite fleur comme ça. Hop. Voilà. Et là, soit vous laissez en fait, soit moi je vais laisser. Je pense que ça fait déjà un bon marque-page. Bah, du coup, j'ai même pas fini lui en fait. J'ai dit que je le ferai avec vous. Alors, lui, bah, je vais peut-être mettre un petit nœud parce qu'il faut quand même rappeler le petit nœud. Hein. Je vais mettre là. Voilà. Je vais mettre un petit sentiment aussi. Je vais l'écrire tout de suite comme ça. Hop. Voilà. Non, je vais coller directement comme ça. Voilà, hop. Et lui, je vais le mettre là. Voilà. Après, j'avais sorti ça aussi. Parce que là, il ne faut pas trop charger non plus. Là, si j'en mets un là, on voit plus le cœur aussi. Peut-être en mettre un blanc là. Lui. Je vais mettre un blanc là. Hop. Lui, je vais mettre aussi. Voilà. Donc lui, j'avais dit, je mettrais là. Non, j'aime bien comme ça. Je vais mettre au milieu plutôt. Donc c'est pas un tuto, hein. Enfin, vous pouvez le prendre en tuto. Pour moi, c'est pas un tuto. C'est juste j'avais envie de faire la vidéo des marque-pages avec vous. Si ça peut donner quelques idées. Donc voilà. Alors, je vais débrancher mon pistolet. Alors, je suis venue.
donc bien avant la vidéo. Je suis venue en faire un comme ça en fait, sur un bâtonnet de glace qu'on trouvait Action. Je suis venue le coloriser et mettre de la bobine. Je suis venue mettre un petit papillon pareil, avec un petit rond que ma fille Mandy m'a donné, c'était de sa box. Voilà. Ensuite là j'avais pensé, non pas celui-là, j'avais pensé à faire des, avec cette perforatrice là à la fin, mais vu qu'il y a le cœur, je sais pas, bon bah si, je vais le faire là, donc je vais le mettre de façon à ce que je vois, hop. Voilà, ensuite je vais en mettre un. Non, bah il s'est arrêté jusque là en fait. Je sais pas si je vais continuer ou pas. Ouais, je vais juste continuer là. Hop, voilà. Le petit cœur, je vais le redescendre. En fait, il a pas. Voilà, je vais venir l'ancrer. Hop. Voilà, elle aussi, je vais l'ancrer. Voilà. Bon, j'espère que mes petits marque-pages vont plaire. Alors, je sais pas si au dos on a le droit de mettre son nom, son prénom, la date, quand ça a été réalisé, tout ça. Donc, je vais le mettre au cas où. Après, c'est pas trop important. Hein. Donc là, lui, il colle pas. Je vais mettre un petit peu double face quand même. Alors. Je vais mettre un là parce que hop, je vais mettre là à la fin, hop. Pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Voilà. Assembler. Hop, voilà. Donc ensuite, de mon côté, j'en avais préparé un autre que j'ai pas fini. Et il me reste encore tout ça à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, 31. Donc je vais en envoyer 31 et 32, pardon. Je vais en envoyer pas mal à l'Institut Curie. Mais aussi je vais en envoyer à des copines scrappeuses et de la famille qui sont concernées. Donc voilà, et ben j'espère que la vidéo elle vous a plu. C'est vraiment très important d'en parler, sachez-le. On est tous concernés, hein, de toute manière. Donc voilà, elle me tenait vraiment à cœur de la faire cette vidéo-là, je ne pouvais pas attendre. Donc n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 24 septembre pour envoyer vos marque-pages, c'est très important. Donc voilà. Et ben, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt.